Le district Belfort-Montbéliard vous présente les défis qui seront réalisés tout au long de la saison. Ces défis sont à réaliser avant chaque début de rencontre. Défi jonglerie, le club recevant fournit 8 ballons taille 4, le club visiteur 4 ballons taille 4. L'épreuve de jonglerie doit être effectuée avant les matchs. Réunir et expliquer le protocole à tous les joueurs au milieu du terrain de football. Faire des groupes de 2 pour les plateaux à 2 équipes ou des groupes de 3 pour les plateaux à 3 équipes ou si il y a un nombre impair d'enfants. Les numéros 1 de chaque équipe doivent jongler ensemble, pareil pour les numéros 2, etc. Comptage des jonglages, un joueur compte les jonglages de l'autre et quand celui-ci a réussi les 50 contacts ou après avoir effectué ses 2 essais, il s'arrête. Cette fois-ci les rôles s'inversent, celui qui comptait va jongler et celui qui jonglait va compter. Les éducateurs veillent au bon déroulement du défi. Une fois le défi terminé, chaque binôme ou trinôme se dirige vers les éducateurs qui vont inscrire les résultats que vont donner les joueurs. Rappel des règles. Chaque joueur présent devra effectuer suivant le calendrier, soit 50 contacts pied droit et 50 contacts pied gauche. 50 contacts tête et 50 contacts pieds alternés. Il aura 2 essais pour parvenir à cet objectif. Il débutera son épreuve au sol, sauf pour la tête, et il n'y aura pas de surface de rattrapage. Possibilité de lever le ballon avec le pied fort pour le pied faible. Le total de jonglerie pour l'équipe sera pris en compte sur les 8 meilleurs résultats par journée. Un joueur de chaque équipe démarre au signal, sprint sur 10 mètres, récupère le ballon dans le cerceau, conduit sur 5 mètres, contourne le cône et replace le ballon dans le cerceau. Le ballon doit être arrêté dans le cerceau, puis sprint jusqu'à la ligne. Le premier des deux joueurs qui passe la ligne marque 2 points. En cas d'égalité, chacun marque 1 point et celui qui perd marque 0 point. Celui qui n'arrête pas le ballon dans le cerceau doit retourner le remettre. Les joueurs de chaque équipe sont placés dans l'ordre de la feuille de match. Tous les joueurs participent. En cas de différence numérique, un ou plusieurs joueurs seront tirés au sort pour passer une deuxième fois. Le défi est un parcours en conduite de balle en forme de L. Au signal de l'arbitre, les deux joueurs effectuent un slalom entre les 3 premiers cônes. Pas de sens de slalom, passage à gauche ou à droite du premier cône possible. Arrivé au niveau des jalons, les joueurs doivent passer entre les deux jalons et effectuer un 8 comme sur le croquis. Après avoir passé le deuxième jalon, les joueurs doivent emprunter les 3 derniers cônes en slalom. Pas de sens de slalom, passage à gauche ou à droite du premier cône possible. Le premier joueur arrivé avec le ballon gagne le défi et marque 2 points. Le perdant ne marque pas de points. En cas d'égalité, un point est attribué à chaque joueur. En cas d'erreur durant le parcours, le joueur doit refaire l'obstacle raté pour rester en jeu. Les joueurs de chaque équipe sont placés dans l'ordre de la feuille de match. Tous les joueurs participent. Les 8 meilleurs résultats seront comptabilisés. En cas de différence numérique, un ou plusieurs joueurs seront tirés au sort pour passer une deuxième fois. Le départ des joueurs se fait à 20 mètres du but. Le gardien de but doit se situer sur sa ligne et peut avancer dès que le ballon est touché par le joueur. Les joueurs partent en conduite de balle au signal de l'éducateur afin d'aller marquer dans le but. Aucune obligation pour marquer, tir, dribble, etc. Si le ballon est remis en jeu par le gardien, le poteau ou la barre. Possibilité de continuer le duel tant que le but n'est pas marqué ou tant que le ballon n'est pas sorti des limites de jeu, surface de réparation au maximum. Point ou tant que le ballon n'est pas stoppé ou sorti des lignes de jeu par le gardien. Alternance entre l'équipe A et l'équipe B sur le même but. Les gardiens de but passent en premier puis les numéros 2,
etc. Les points sont comptabilisés de la manière suivante. 1 point si le but est marqué, 0 point si le but est raté. On gardera les 8 meilleurs résultats de chaque équipe. Si une équipe se déplace à 9, on comptabilise ses 8 essais. Si une équipe se déplace à 12, on gardera les 8 meilleurs résultats, donc 4 chances supplémentaires.